Bon ben bah voilà, il y a un petit filium qui est né aujourd'hui donc voilà, c'est un petit filium. On va voir de suite l'espèce tibétains smedog donc c'est une espèce que j'ai pris à hop, que j'ai pris à Tim Van Tim euh, Van Mol Tim pardon pour la prononciation. Euh, je vous fais cette petite vidéo parce que vous voyez les œufs ont été pondus en juillet et devaient éclore euh, le, entre le novembre et décembre 2019. Pour vous dire l'importance de vraiment garder vos œufs à un long moment, les œufs n'éclosent pas forcément euh, comme on le prédit, en fonction de l'incubation, en fonction des températures, en fonction de plein de choses. Euh, là, j'ai des petits, donc on va passer juste derrière. La femelle vient juste de faire une mue juste là donc elle elle est née euh, vraiment le 12 euh, en décembre janvier je sais plus exactement la date mais voilà elle, elle est elle est elle est elle a éclos à ce moment là et j'ai peu eu d'éclosion quasiment depuis sauf peut-être une en, ja en janvier ou février et j'ai eu d'autres petits qui sont nés après donc comme quoi voilà lui en plus c'est un autre cas voilà vous voyez vraiment euh, je vous mens pas ils sont là Hop, je vais vous montrer les petits oeufs qui sont ici voilà, donc c'est euh, vraiment voilà, à garder vos œufs, euh, car euh, des fois bah, on a des surprises en fonction de, bah, de votre température d'incubation. Des fois euh, les températures d'incubation ne sont pas les bonnes. Ici j'ai incubé entre 23 et 25, comme quoi peut-être que si j'avais incubé plus à 26, ça aurait peut-être mieux fonctionné, et des fois pas forcément, peut-être ça aurait cramé les œufs, donc bon. Vaut peut-être mieux une incubation un peu plus longue et que ça sorte plutôt qu'une incubation qui ne sortira jamais. Voilà. Donc, du coup, voilà, je vous fais une petite vidéo sur cette espèce que je trouve très sympa. Euh, au niveau de la forme de la femelle, déjà, c'est super sympa. Euh, puis le mâle a une, une. Bon, là, on le voit pas, il est caché dans les feuilles. Je sais pas où il est. Mais euh, il a une forme assez sympa. C'est une espèce que j'élève sur ronce, je n'ai pas eu trop de soucis là-dessus. J'ai essayé de démarrer au salal, ils ont apprécié, mais sans plus. Donc voilà, des ronces fraîches quasiment tout le temps. Arrosage matin en général et soir. Euh, petite vaporisation, une, une, une aération latérale et un super éclairage donc du néon vraiment à pleine dose. C'est une espèce qui a vraiment besoin d'éclairage, d'humidité. Donc euh, après, c'est un petit pot en... J'utilise des petits pots à yaourt avec un trou dedans et je mets mes ronces au travers. Ça permet d'éviter que les petits aillent dans l'eau et ne se noient. Et également de garder euh, euh, le plus longtemps les ronces fraîches. Voilà. Euh, pour ce qui est des conditions d'incubation, bah, comme je vous l'ai dit, entre 23 et 25 dans un incubateur, j'humidifie. Quasiment uniquement que la tourbe, et en fin d'incubation et milieu d'incubation, j'arrose un petit peu une fois par semaine les œufs. Vraiment une petite vaporisation légère pour éviter qu'ils moisissent. Euh, sur l'aération, là, j'ai pas fait trop d'aération parce que, bon, apparemment, c'était quand même une espèce qui avait besoin de beaucoup d'humidité. Donc, je suis restée sur quelque chose de très fermé. Donc, il n'y a que les aérations de la boîte à grillons. Euh, contrairement par exemple à certaines espèces comme le Westwoodie qui est ici où là par contre je mets une aération supplémentaire parce qu'ils oui, ils sont vraiment sensibles à l'humidité donc voilà euh, pour ce qui est du taux d'éclosion pour l'instant j'ai eu euh, quelques mortalités en L1 euh, mais pour l'instant il n'y a que la moitié des œufs qui ont éclos donc à voir si c'est la température et mon incubation qui change ou si c'est le ratio de cette espèce en temps normal ça je sais pas on verra la deuxième génération euh, avec le même taux d'incubation enfin les mêmes euh, plutôt paramètres. Et ensuite, j'aurai euh, également euh, quelques pertes en L1. Les pertes en L1 sont dues au fait que ce sont des, des individus qui vont avoir besoin de s'hydrater très tôt, donc vraiment vaporiser dans les premières 24 heures, euh, vraiment même à la suite de la sortie de la boîte à incubation. Et par contre, ils vont manger euh, peut-être euh, au bout de 24 heures, 48 heures, donc ne faut pas s'inquiéter trop. Euh, certains mangent vraiment... Dès la sortie de la boîte, mais c'est plus rare. J'ai vraiment observé que des individus qui mangent au bout de 24 heures. Voilà. Euh, puis bon, bah, je vous ferai la photo de la suite euh, pour les individus adultes. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ferai d'autres euh, photos des sorties euh, pour vous dire des petites espèces. Il y a le Philium philippinicum que vous connaissez j'ai du Philium giganteum euh, Philium westwoodi du coup et Philium sp bidu miba qu'on verra également. Voilà, je vous fais de gros bisous, bon confinement et restez chez vous. Même eux, ils restent ici.